Ouais, Marco, viens voir un truc. Je te montre la cam. Tu sais, c'est ma cam vidéo, H8. C'est dément, je peux te dire, c'est l'avenir. Un jour, on fera tous nos films avec ça. Tu vois. Ce que je veux, en fait, c'est que tu fasses quoi? Un behind the scenes où on voit l'ambiance? Ouais, ouais, non, mais ça va, je vais m'en sortir. Attends, c'est... C'est quoi tous ces modes, là? Il faut que je me serve de ça ou pas? Écoute, là, il y a le... Non. Attends, ce que je voudrais dire, c'est qu'on est en train de faire le film le plus important jamais réalisé sur Claude Jutras, le plus grand réalisateur canadien de tous les temps. Pas de moi que je veux parler, c'est... Et c'est grâce à toi, Alex. Chef opérateur. Ah ouais. Jacques, un pur génie. Ingénieur du son et réalisateur du making-of. Venez, on se fait un plan, on va demander à un mec qui nous prenne. Hein. Did you ever hear about a guy named Claude Jutras? No. No, just never. Checking. You're sure he did the first documentary about you guys? Yeah? Skateboarders, yeah. Arrested by cops and stuff, yeah. Well, the idea is that they always have something better to do, but they don't. Somehow there's always a way to bug us. Their job is to slap hands, and we're the hands, you know? Do you like Jean Cocteau? I love. I have a sketch of Jean Cocteau on my arm. You do? Yeah, yeah. Show me, man. I don't know why, it just... He is Jean Cocteau, man. Yeah. That's unbelievable. Yeah. Jean Cocteau wrote a script that Claude Jutras did, man. Yeah. We just stopped on the street and it's you and... I had no clue. It's a pleasure. Tu te rends compte quand même qu'on est allé à des milliards de kilomètres de chez nous, qu'on arrive à Los Angeles, qu'on va à North Hollywood, qu'on tombe sur deux mecs dans la rue par hasard, deux petits skaters. On est en 1990, Claude Jutras est mort il y a quand même déjà 5 ans, et on tombe sur le skater qui a un tatouage de Jean Cocteau, je veux dire. Cocteau qui a bossé avec Jutras, quoi. C'est cool, les gars. Les gars, est-ce que ça vous intéresse d'écouter de la vraie musique d'homme? Non. Simple question. Deserves a simple answer. Ok, I'm gonna put it in. Allez, vas-y. C'est quoi ça, Ugazi? C'est l'intégrité. L'intégrité. Alex, c'est la première fois que tu montes dans une voiture? Simple question, Alex. I know it's working, no? Yeah, that's the music. Wow. Tintin. Oh, voilà. Technicien, voilà, et voilà. Guys. This is it. Tu viens, je me dis le truc, peut-être double l'interview quand même au cas où... si tu veux, ça, au cas où les 16 mm merde, que toi tu filmes aussi, d'accord? D'accord? Ok, ouais. You know, it's one of my favorite documentaries of all time, Devil's Toy. It was the beginning of skate at that moment already, you were already skating. Yeah, we're the first group of guys in my area to start really getting into skating. And so how was it to work with Lou? I mean, wish I'd had a dad like him. That much? Oh yeah, I mean, this guy was real. Not very many real people like him. Did you stay in touch with it? I didn't stay in touch, and I moved out to San Francisco with a girl. Heidi, she was one of the actors on the film. How
often you watch Deville's Toy? I haven't seen it since those times I saw it at Claude's. You never saw it again? No, I... Nah. Hey, there's me. There's Narc. Wonder how many babies he's killed in his life. Running from the cops. Remember that sound? They didn't like us. What happened to Heidi? I mean... C'est celle-là, Bobby. Is she in Canada or is she... No, she's still around, honey. Yeah. Do you know where? Yeah, I know where she's at. Parler au producteur? Moi, je suis plutôt en train de souffrir du décalage horaire, tu vois, donc... Un peu bizarre là. Hein? T'as l'air un peu drôle là, je... Non, Il n'y a pas de nouvelles, non? Non, tu vois, il est assez... Gardez les yeux ouverts parce que je crois que c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Écoute, venez avec moi, comme ça, on se fait le... On se la joue, on est une équipe de filmmakers, tu vois, ça fait professionnel que si j'y vais seul, ça peut faire drague bizarre, tu vois. Ouais, ouais. Tu sais quoi, je crois que je vais rester en voiture. Mais non, viens avec nous, toi. Ouais, ça fait pas, j'ai pas de film. Non. Tu veux qu'on m'accueille. Hello. I hope I don't disturb you. We're coming to your town to do a documentary about Claude Jutras. We filmed a lot of people involved in his film, and your name came up a few times. Did David tell you where I live? No, I can't remember. I'm sorry. Be more suitable no, for I'm you. Sorry. Thank you. No. T'as vraiment l'air bêche. Déjà, on avait jusqu'ici pour ça. On la ferme. Les on ferme deux minutes. Que je réfléchisse deux secondes. Sortir du sommeil. Je sais. Venez, on se tient d'ici. T'es sûr que tu sais lire une carte, Alex? Mais on ne peut pas être perdu dans cette boule-là, non. On ne sait même pas où est-ce qu'on est. En fait, toi, la ferme et quoi? Hé, les gars, c'est quoi ce voyant rouge, là? C'est le refroidisseur de moteur. T'es mécanicien, toi, maintenant. Chaque fois tu nous lâcherais ta caméra de chat et tu t'occuperais de ça, peut-être vas-y, ça ferait la... Tiens, tu sais quoi? Prends la caméra. Voilà Monsieur Jacques, qui en fait qu'à sa tête, qui conduit où il veut, il en a rien à branler, lui. Mais je vais vous avouer, j'en ai rien à branler non plus, donc en même temps, ça va faire vraiment beaucoup de gens qu'on n'a rien à branler. Tu sais le voyant rouge, ça veut dire que c'est important. These are the remains of what was once a beautiful documentary project. Was a lifetime ago, the day I was taken from you. Didn't get to say farewell, oh well. Don't think I even had to. Thank you.